Vendredi 27 février 2015, madame, messieurs, bonsoir et bon week-end. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, vive tension dans la capitale haïtienne ce vendredi. Des coups de feu et des jets de pierre aux abords du parquet de Port-au-Prince où des étudiants manifestaient pour exiger la libération de leur camarade Chedler Guillou, appréhendé 5 jours plus tôt. Un véhicule de la Minusta a été incendié à la rue Monseigneur Guillou, non loin de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Le président Michel Martelly, qui participait à l'inauguration d'une place publique aux côtés de la chef civile de la mission onusienne dans le pays, s'est montré très élogieux envers le travail des casques bleus. La place Sainte-Anne a été construite grâce à un financement de plus de 50 millions de gourdes provenant des fonds du trésor public. Elle est entre autres dotée d'un terrain multisport avec un gradin pouvant accueillir plus de 300 personnes. Première rencontre jeudi entre le CEP et des partis politiques, le collège électoral réaffirme son engagement à organiser les scrutins suivant un calendrier qui favorisera la rentrée parlementaire en janvier 2016 et l'installation du nouveau président le 7 février de la même année. Le projet de décret électoral bientôt publié, le gouvernement se penchera sur le texte ce vendredi lors d'un conseil des ministres à l'extraordinaire. Le porte-parole du gouvernement assure que l'exécutif est prêt à jouer sa partition de manière à ce que les élections puissent avoir lieu cette année dans le pays. À l'étranger, nouvelle manifestation au Mexique pour réclamer la vérité sur le sort des 43 étudiants portés disparus il y a tout juste 5 mois. Leurs proches refusent d'accepter la version officielle selon laquelle ces élèves ont été exécutés et leur corps calciné puis jetés dans une rivière. Le spectre des poursuites judiciaires s'éloigne de la présidente argentine. La justice estime que la plainte pour entrave à la justice déposée contre Cristina Kirchner est sans fondement, mais cette décision est susceptible d'appel. En sport, Haïti jouera en amical le vendredi 27 mars contre la Chine pour sa première sortie cette année, une rencontre de préparation à sa participation à la Gold Cup. Le parquet de Madrid demande que le président du Barça soit mis en examen pour fraude fiscale dans le cadre de l'enquête sur le transfert de Neymar. Le juge en charge du dossier soutient que le dirigeant barcelonais était impliqué dans la réalisation de la transaction. NBA, Cleveland s'offre un adversaire de taille, le Golden State Warriors 110-99, alignant une 18e victoire en 20 matchs. LeBron James a inscrit 42 points, son record de la saison. Malgré un énorme Westbrook, OKC a plié devant les Suns 113-117. Madame, messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal en couverture. Vive tension à Port-au-Prince ce vendredi à la mi-journée. De nombreux coups de feu ont été tirés par des agents de l'ordre lors d'un mouvement de protestation des étudiants de plusieurs facultés de l'Université d'État d'Haïti devant le parquet de Port-au-Prince pour réclamer la libération de leur camarade Chedler Guillou. Ce dernier a été appréhendé lundi pour son implication présumée dans l'incendie d'un véhicule de service public. Des jets de pierre ont été lancés en direction du parquet de Port-au-Prince. À la rue Monseigneur Guillou, un véhicule de la Minusta a été incendié. Participant ce vendredi à l'inauguration de la place Sainte-Anne au centre-ville, le président Michel Martelly s'est montré très élogieux envers les casques bleus qui sont en mission de stabilisation en Haïti. Aujourd'hui, Haïti reçoit des investisseurs grâce entre autres au travail de la force onusienne, a dit Michel Martelly. Contrairement à pile monde qui pensait que quoi ça a eu les Minusta. Il représente un corps étranger sous pays. Je dis que moi-même, président de la République, moi quoi dans ça tout. Mais je dis d'abord merci à COSA qui permet de nous qu'il y ait stabilité dans le pays.
particulièrement après, je ne connais que pays a été dans les années 2003-2004. Côté que ça était à la mode, c'était marcher, assassiner les gens, élève l'école et foncer de gros crimes dans le pays. Bagaille, ça ne peut pas permettre le pays d'Haïti avancer. Donc, ça a expliqué et. Compréhension moi-même de présence comme ça, ministère, parce que pour le peuple avoine, ça l'a cherché, il a besoin de la paix d'abord dans le pays, il a besoin de stabilité et ces bagages qui ont mené progrès, développement économique, râler investisseurs qui ont fait que le peuple avoine travail. Donc, je dis, madame Noé, merci pour le support ministère à Haïti. Le président Michel Martelly a par ailleurs appelé la population à la patience et à la tolérance pour que l'on puisse construire dans la paix. Le chef de l'État s'est montré très critique envers ceux qui lancent des appels à la grève et à la manifestation, soulignant que ce faisant, ils se tirent une balle dans le pied. Pour Michel Martelly, qui participait à l'inauguration de la place Sainte-Anne au centre-ville, rien ne se construit en un seul jour et tout succès exige le sens du sacrifice. Place ça, c'est pas vous dire que l'a construit. Programme changer la vie, changer métier, que depuis en campagne, m'a parlé de lui. C'est année ça, dans quatrième année mandat, président Martelly, que bus y arrivé. Donc, n'a construit, lui m'a des temps. C'est tremblement de terre qui a crasé là en 10 secondes, en 3 secondes, en 2 secondes. C'est crasé à facile, mais construit à tout prendre temps. Donc, pas demander peuple haïtien, et patience, conscience, tolérance, la paix pour que Haïti. Car ti moso, développé, pas bon ken changement, pas bon ken richesse, pas bon ken succès qui fait sans sacrifice. Au moins nous avons un programme que l'équipe a apporté. Et contrairement à, par exemple, des gens qui ont proposé Roche avec caoutchouc, ou bien encore écrit non ti moun en bas papier, ça pas des programmes de développement. Ça c'est bah qui vous fait moun peur. Ça c'est bah qui vous fait pays fait bac. C'est bagay qui pour faire investisseur pas venir dans pays a. C'est bagay qui pour faire société a effondrer. Donc dans sens ça, m'a dit tout le monde poser, m'a dit tout le monde kembe là, ça pas on pas vers l'avant. Ça c'est on bac n'a fait n'a tirer tête nous n'a tirer dans pied nous et bac n'a fait de vous grève mais un problème là on va bien dit mais l'elle pas fait sens tout et quoi faire de vous grève assurer au map don bagaille mon qui vient quoi déjà le pas perdu rien de vous grève là ou même qui fait là et ou perdu plus encore donc là n'a fait une bataille faut nous connait qui bataille n'a fait faut nous connait qui bonne blé aller faut nous connait dans qui but que n'a fait bataille que n'a fait si nous raté mandat tête calé à n'a raté en pile parce que l'autre monde qui dans politique yo c'est de wash c'est de craser il a parlé c'est de écrit notre petit monde en bas papier il a parlé nous même nous parler de l'école gratis nous parler de infrastructure de développement de job travail pour peuple gagner l'argent dans poche libre. L'inauguration de la place Sainte-Anne s'est déroulée en présence des plus hautes autorités de l'État, outre le président Michel Martelly et Evans Paul. Des partenaires internationaux du gouvernement, notamment ceux du PNUD et de la MINUSTA, y ont pris part. La place Sainte-Anne s'étend actuellement sur une superficie de plus de 6 600 m² et est dotée d'un terrain multisport dont le gradin peut accueillir jusqu'à 330 personnes. Sa construction a été rendue possible grâce à un financement de plus de 50 millions de gourdes venant du Trésor public, a indiqué le directeur de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, Henri Adam. Lors de la programmation des travaux de reconstruction, l'équipe gouvernementale avait bien évalué le choix d'investir dans la rénovation urbaine, notamment dans la remise en état des places publiques. Ce choix répondait au besoin d'offrir des espaces publics pour permettre aux habitants des différents quartiers de se rencontrer pour échanger, de se recréer et de renforcer ainsi les liens sociaux entre les utilisateurs. La place est donc constituée d'un terrain multisport qui servira aux équipes de basketball, volleyball, mini-foot et tennis, d'un gradin également aménagé avec un espace d'environ 300 places, un vestiaire doté de blocs sanitaires se trouve au rez-de-chaussée de ce gradin, un espace est également équipé pour les amateurs de bodybuilding. Les enfants ne sont pas oubliés. Ils disposent d'un aire de jeu de 360 m² équipé de mobilier. Le skateboard est aussi à l'honneur sur cette place, car un espace de 145 m² est réservé aux amateurs de ce sport qui jusqu'à présent se pratiquaient dans les rues. Les habitants intéressés à faire du jogging auront à leur disposition un espace sur les trottoirs
qui ont été agrandis de 2 mètres afin de leur offrir une piste mieux appropriée. Ce projet, de près de 51 millions de gourdes, a été financé à partir des ressources du fonds Petrocaribe. Le chantier a créé près d'une centaine d'emplois au cours de sa mise en œuvre. La priorité a été donnée aux matériaux locaux et il a été fait appel à l'expertise de nos artisans pour arriver à ce beau résultat. Nous remercions donc la communauté pour l'accueil qu'elle a fait à la nouvelle place et nous comptons sur ses membres, jeunes et moins jeunes, pour prendre soin de cette infrastructure. Je vous encourage à en bien profiter et je vous exhorte à le protéger. Là, ça c'est par nous toutes, Géril. Autre point de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères, Dudi Boutsous, reconnaît que les tensions entre la République dominicaine et Haïti, suite à la pendaison d'un ressortissant haïtien à Santiago et la décapitation de notre compatriote Elias Pina, ont provoqué un certain refroidissement dans les relations entre les deux pays. Le chef de la diplomatie haïtienne croit toutefois que le problème n'est pas insurmontable. Un extrait de ses déclarations. On a fait manifestation. Il y a quelques individus incontrôlés qui étaient rentrés dans le consulat. Il faut qu'on dise que Guillaume, selon les informations, était déjà à l'intérieur du consulat dominicain. Et c'est lui qui montait sous 3 consulats, il y a enlevé le drapeau dominicain, il y a jeté pour remplacer par un drapeau haïtien. Il y a l'autre drapeau qui brûlait, ça n'a rien à voir avec le drapeau qui était monté devant le consulat dominicain. Nous condamnons le comportement ça, puisque nous croyons que nous ne sommes pas capables de comporter nous, même gens qui ont un petit groupe extrémiste en Dominicanie comporté, à savoir, ils prennent le drapeau haïtien, ils essaient de souiller. Nous avons dit que ce n'est pas mon style, ce n'est pas non plus le style du gouvernement pour que nous entrions, nous laisser frapper avec les dirigeants dominicains. Ça, nous avons comme dernier élément d'information. Et c'est la lettre qu'on a reçue hier, en dépit du fait que c'était dans la presse dominicaine, mais on l'a reçue hier officiellement du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. C'est en réponse à une lettre que nous avons envoyée par le ministre des Affaires étrangères, ça fait environ une semaine. Il a fait allusion à différentes initiatives qu'il a prises par rapport à l'assassinat de Henri-Claude Jean, par rapport à l'assassinat qui était passé à Elias Pina, par rapport à ce qui a été fait par l'ambassadeur Sineas, il dit que la justice a choisi pour lui, le gouvernement dominicain n'a pas rentré dans la question de justice. Il est très choqué par le fait que il y a un événement qui passait et mercredi dernier, au monde qui reprend pour dominicain au Brûlé-Li, et il a voué Roche sous consulat dominicain ici en Haïti. Il a dit que patience sur une limite n'a réagi peut-être dans 2 ou 3 jours, mais pour l'instant, on va lui faire commenter sur la question. Tout à fait autre chose. Le Conseil électoral provisoire a rencontré jeudi des responsables de plusieurs partis, groupements et regroupements de partis politiques dans le cadre de la préparation du calendrier électoral. Le président du CEP, Pierre Léopon, a indiqué que les propositions de ces acteurs importants du processus électoral seront prises en compte dans l'élaboration du calendrier. Un calendrier qui, dit-il, doit permettre la rentrée parlementaire en janvier 2016 et l'entrée en fonction du nouveau président le 7 février de la même année. Ses déclarations. C'est la première sortie publique, c'est UBA, côté nous avons rencontré les partis politiques pour nous discuter éléments qui constituent le calendrier électoral là, pour nous partager avec nous le contenu opération électorale qui est dans le calendrier. Et après-midi, après repas, nous discuter du calendrier lui-même, à savoir une quantité de postes nous avons pour nous, qui date nous avons pour nous respecter l'entente électorale qui est là. Troisièmement, nous avons gagné le respect que nous avons pour les partis politiques pour nous demander aux recommandations sur le point. Nous prenons en pile les suggestions de nous, en pile notre écriture, en pile les manuscrits que nous avons déposés comme proposition. Donc, plusieurs propositions que nous avons citées là pour simplifier pour nous faire jaloux. Mais la semaine, la CEB a publié l'ensemble des propositions que nous avons recevoir. Et CEB a pris le fond de tout, nous allons travailler sur eux, nous allons mettre dans les techniques et moyens, nous allons disposer en question. Et puis, les techniciens ont mis avec le conseil électoral pour nous faire une proposition de calendrier électoral qui répond à aspirations et propositions de toutes les parties politiques
compte tenu des trois contraintes que c'est le gain. Contraintes législatives pour nous faire, présidentielles pour nous faire et locales pour nous faire, première contrainte. Deuxième contrainte, pour qu'un président élu le 7 février 2016 pour garder en fonction. Et troisièmement, le deuxième lundi de janvier 2016 pour qu'on rentre parlementaire. Ces trois engagements qui répondent à la mission CEPA et n'a arrangez-nous pour calendrier électoral qui a sorti, tenu compte de contraintes et de l'ensemble des positions des partis politiques. Le gouvernement se félicite de la rencontre tenue jeudi entre le CEP et des représentants des partis, groupements et regroupements de partis politiques. Son porte-parole, Rothschild François Junior, informe que des questions relatives au projet de décret électoral seront à l'ordre du jour ce vendredi lors d'un conseil des ministres à l'extraordinaire. Le ministre de la Communication a souligné que le décret électoral sera bientôt publié. Il donne la garantie que, du côté de l'exécutif, tout sera mis en œuvre pour rendre possible la tenue du scrutin avant la fin de l'année. Il précise que l'élaboration du calendrier électoral est une prérogative du Conseil électoral provisoire. Le gouvernement est vraiment très encouragé par ce qui a passé qu'on est là au niveau du processus électoral. Là, il nous connaît que beaucoup rencontres qui étaient faites entre le CEP avec les partis politiques. Donc, nous encouragés par des développements. Alors, pour ça qui concerne les projets de décret électoral, là, effectivement, nous connaît que le CEP a remettre projet de décret électoral là-bas au gouvernement. Et nous avons fait des réunions avec plusieurs partis politiques qui étaient quand même, by point de vue, sous quelques points au niveau du projet de décret électoral. Là. Donc, nous avons pris en compte quand même de préoccupation quelques partis politiques, les partis politiques sous question ça. Et après, nous te font analyse, nous t'insérions dans un document, même document ça que nous te voyons au niveau du conseil électoral provisoire là, les mêmes qui vont tourner le banon. Nous garantissons aujourd'hui, on a un conseil des ministres à l'extraordinaire qui va le faire aujourd'hui sous question. Hein, et nous allons travailler au niveau du gouvernement pour nous capables de publier le projet de décret électoral là rapidement pour nous capables de lancer le processus électoral là, déboucher sur la réalisation des élections honnêtes, démocratiques, inclusives en Haïti. Nous-mêmes, l'exécutif là, nous paraît, tout le monde paraît, pour capable jouer partition par nous dans le cadre de réalisation de bonnes élections dans le pays, dans la fin d'année. Donc nous-mêmes, nous croyons ça et nous travaillons en pile sous question au Conseil électoral pour vivre là, sous question réalisation élection. Donc nous attendons que CEP1 publié question de calendrier électoral pour capable avancer. Mais nous-mêmes, au niveau du gouvernement, nous rappelons encore une fois que nous avons gagné un conseil des ministres spécial jeudi hein, sous projet de décret électoral. Là, donc, nous comptons publier assez rapidement. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti se décerne satisfaite pour le travail accompli par ses agents durant la période carnavalesque. Le porte-parole de l'IGPNH, l'inspecteur Marc Wilkins-Jean, fait état d'une réduction des brutalités policières pendant le carnaval cette année, notamment lors des deux jours gras. Marc Wilkins-Jean a précisé que les inspecteurs de la police des polices étaient accompagnés par des agents d'unités spécialisées sur le parcours, ce qui, dit-il, a facilité davantage leur travail. Ils se félicitent du comportement des agents affectés à la sécurisation du carnaval, notamment en matière de gestion des foules, même s'ils reconnaissent qu'il y a eu quelques hésitations dans les premiers moments du drame du 17 février. Mais les policiers se sont bien vite repris, s'est-il félicité. L'activité a pratiquement été dominée par question carnaval là. Donc, majorité de travail, nous, on était lié à la supervision dimanche pour le carnaval et deux jours gras, puisque pas de troisième jour gras, j'en étais connu. Donc, ce qui constate, l'inspection générale, t'es fait dans le carnaval, ça. Premier constat, c'est que t'es un respect des consignes, direction générale, t'es bas là, et de l'inspection générale. Donc, la presse fait état de ça. Donc, le carnaval, il tout fait état de ça. Donc, t'es une gestion sécuritaire, une gestion de foule qui était plus ou moins satisfaisante. Donc, c'était pas la perfection. Mais à Nessa, donc l'inspection générale lui-même était plus ou moins satisfait de comportement policier qui était affiché sous parcours carnaval. Même si, dans le cadre de gestion foulue, nous avons constaté une certaine hésitation au début de l'incident mardi matin. Mais la police a pris bien vite et elle a porté appui à tout le monde qui est intervenu dans la gestion de la situation d'urgence. Donc, tout est remarqué, même avec la presse, que pas de pile violence policière, donc même si c'était gagné, mais ça veut dire tout. Équipe d'inspection générale qui était unie, qui était impliquée sous supervision de parcours carnaval là, donc il n'y a pas de constater tout en pile et violence policière. Et à Nessa, particularité de gagner dans la supervision de l'inspection générale là, c'est que l'inspection générale était supportée par des unités spécialisées. Donc chaque équipe de l'inspection générale était gagnée avec lui
des membres des unités spécialisées, donc qui t'a permettre que l'inspection générale fait travail, qui t'a gagné pour t'empêcher que la violence soit faite dans le carnaval là par les policiers. Donc, dans l'ensemble, l'inspection générale est capable d'exprimer une certaine satisfaction par rapport au comportement policier qui a gagné et d'estimer qu'elle était plus ou moins satisfaisant. Il y a pile policier qui est victime pendant le début d'année, dont un policier de l'inspection générale, un inspecteur de l'inspection générale qui est affecté à la division des droits humains, qui était victime tout par balle dans le niveau Carrefour. Donc nous-mêmes, nous vraiment quitté DCPJ, nous avons mené enquête et c'est le résultat de l'enquête DCPJ qui a dit dans quelles conditions que les policiers ont même eu. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, madame, messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Vive tension dans la capitale haïtienne ce vendredi. Des coups de feu et des jets de pierre aux abords du parquet de Port-au-Prince où des étudiants manifestaient pour exiger la libération de leur camarade Chedler Guillou, appréhendé 5 jours plus tôt. Un véhicule de la MINUSTAH a été incendié à la rue Monseigneur Guillou, non loin de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Le président Michel Martelly, qui participait à l'inauguration d'une place publique aux côtés de la chef civile de la mission onusienne dans le pays, s'est montré très élogieux envers le travail des casques bleus. La place Sainte-Anne a été construite grâce à un financement de plus de 50 millions de gourdes provenant des fonds du trésor public. Elle est entre autres dotée d'un terrain multisport avec un gradin pouvant accueillir plus de 300 personnes. Première rencontre jeudi entre le CEP et des partis politiques, le collège électoral réaffirme son engagement à organiser les scrutins suivant un calendrier qui favorisera la rentrée parlementaire en janvier 2016 et l'installation du nouveau président le 7 février de la même année. Le projet de décret électoral bientôt publié. Le gouvernement se penchera sur le texte ce vendredi lors d'un conseil des ministres à l'extraordinaire. Le porte-parole du gouvernement assure que l'exécutif est prêt à jouer sa partition de manière à ce que les élections puissent avoir lieu cette année dans le pays. À l'étranger, nouvelle manifestation au Mexique pour réclamer la vérité sur le sort des 43 étudiants portés disparus il y a tout juste 5 mois. Leurs proches refusent d'accepter la version officielle selon laquelle ces élèves ont été exécutés et leurs corps calcinés jetés dans une rivière. Le spectre des poursuites judiciaires s'éloigne de la présidente argentine. La justice estime que la plainte pour entrave à la justice déposée contre Cristina Kirchner est sans fondement, mais cette décision est susceptible d'appel. En sport, Haïti jouera en amical le vendredi 27 mars contre la Chine pour sa première sortie cette année, une rencontre de préparation à sa participation à la Gold Cup. Le parquet de Madrid demande que le président du FC Barcelone soit mis en examen pour fraude fiscale dans le cadre de l'enquête sur le transfert de Neymar. Le juge en charge du dossier soutient que les dirigeants barcelonais étaient impliqués dans la réalisation de la transaction. NBA, Cleveland s'offre un adversaire de taille, les Golden State Warriors 110-99, alignant une 18e victoire en 20 matchs. LeBron King James a inscrit 42 points, son record de la saison. Malgré un énorme Westbrook, OKC a plié devant les Suns 113-117. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Télé Pluriel.